Allô bro, c'est comment? Tu vas bien j'espère? Ouais, pas mal, et de ton côté? Je vais très mal, très très mal. Dis-moi, pourquoi l'être humain elle est cruel à ce point? Pourquoi l'amour elle blesse? Mais pourquoi tu dis de telles pareilles choses? Tu te rappelles de la fille dont je t'avais parlé? Oui bro, notre future femme. Ouais mec, il faut que je te parle sérieusement. Cet amour, elle m'a terminé. Dis-moi, qu'est-ce que tu passes? Tu me fais peur. Tu sais, je l'aimais. Je l'aimais. Je l'aimais de toutes mes forces. Putain, pourquoi une telle cruauté? Calme-toi et parle-moi. Ensemble, on est fort. Je l'ai rencontré sur Instagram ce jour-là. J'étais dans le nuage, frérot. Merde. L'histoire a commencé dès mes premiers écrits. On a commencé à s'écrire spontanément. On s'est trouvé des points communs. Ce que je trouvais génial, c'est qu'on avait presque les mêmes visions. Et puis un jour, on s'est échangé de numéro. Elle m'a dit qu'elle sortait d'une relation compliquée, et moi aussi. Et là, je lui ai promis la lune, même pour le moment, je suis promis. Je lui ai promis d'être là pour elle, que je ne regarderai que elle, et que c'est elle la mère de mes enfants. Fini les cœurs brisés, fini de reprendre les choses à zéro. La façon dont je te connais pour que tu agisses ainsi avec une fille, ah mec, c'était la bonne. Dis, j'aurais tellement voulu que ça soit le cas. Si je repense à nos délires de 22h à 1h du mat, mon cœur fond en larmes. Le matin à 6h, je l'appelais « Baby, lève-toi et va prier ». À 7h, je l'appelais « Réveille-toi, fais ta toilette et mange avant d'aller à l'école ». À 10h, je prenais de ses nouvelles. Ah, l'amour. À 16h, à la descente, on se parlait, la nuit pareil. On se taquinait, on rigolait ensemble. Par finir, j'ai décidé de faire le premier pas vers ma famille, en parlant d'elle à ma maman. Putain là c'est fort, je suis tellement fier de toi, t'as osé dire ça à maman. Franchement tu tenais vraiment à elle. La façon dont je connais votre famille, c'est pas facile. Mais bro, mon amour pour elle n'avait aucune limite. Mais tu sais ce qu'elle m'a fait? Non, tu racontes. Une fois, deux fois, trois fois, des rêves qui n'aboutissaient pas. Soit de ma faute, soit de sa faute. Et par finir elle m'a largué. Faute que j'avais pas de voiture, que notre relation devenait amiable. Putain bro, je ressens une telle haine contre moi-même. Pour des absurdités, pour des futilités qui n'avaient même pas de sens. Elle a commencé à ne plus me parler, à ne plus m'écrire. Elle m'a dit que je n'étais pas sérieux, que notre relation n'avait plus de sens. Après avoir fait le premier pas, après avoir parlé d'elle à presque tous les membres de ma famille, j'avais tellement d'espoir en moi et mis toute ma foi en elle, en me disant qu'à partir d'aujourd'hui, c'est elle ou rien. Maman va me prendre pour un plaisantin et ne va plus m'écouter pour ces trucs-là. Bro, ne t'inquiète pas, tout ce que tu fais est bon. Dis, si je repense à notre complicité, à mes rêves pour elle, je fonds en larmes. À partir d'aujourd'hui, rien que doser, rien que l'oser et rien que la famille. Dante Music.